Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais. Ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Thank you.
ce psaume commence par Alléluia, ou louer l'Éternel. Si ce psaume commence ainsi, c'est que le psalmiste est en train finalement de nous enseigner un point qui me semble très important. Il y a trois mots à retenir dans nos trois versets. Tout d'abord, louer ou Alléluia. Littéralement, donc, signifie louer Dieu. Mais l'hébreu va même encore plus loin puisqu'il y a une idée de lumière et de briller. Et l'Écriture nous enseigne qu'il ne faut pas prendre le nom de Dieu en vain. Pourquoi je dis cela? Parce que simplement dans ce mot « Alléluia », vous avez le nom de Dieu. Les deux dernières lettres, « Yah », c'est Dieu. Et on ne peut pas donc prendre même ce mot à la légère. Vous savez, souvent, je prends un exemple tout simple, mais pour vous donner l'idée, tiens, ce midi, on va manger une choucroute. Alléluia ! Certains, c'est ça, une bonne nouvelle, Alléluia ! Et ce mot est un peu employé pour tout et pour rien. Mais en tant que disciple de Jésus, eh bien, je dis, faisons attention de la manière dont nous employons des noms qui touchent la personne de Dieu. L'Écriture nous dit, et Dieu lui-même le dit, « Tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain. » Alors, si nous voulons employer ce mot, on peut l'employer. Veillons à ce que d'abord, dans notre vie, ce soit d'une manière correcte et sensée. Alors, donc, quand nous employons ce mot, attention, nous employons le nom de Dieu. Et puis, le verset premier, le psalmiste se dit « Heureux l'homme qui craint l'Éternel ». Alors, on voit déjà ici le sincère de cet homme. Il ne veut pas prendre le nom de Dieu en vain, puisque tout de suite, il aborde deux domaines. Il y a « Heureux » et « Craindre l'Éternel ». L'homme juste qui craint Dieu, il ne le craint pas seulement en public pour faire bonne figure, mais c'est un homme aussi qui est capable de craindre Dieu dans le privé. Là où on ne le voit pas, que ce soit chez lui, là où il est, est-ce que la crainte de l'Éternel, elle nous suit jour et nuit, 7 jours sur 7, 12 mois sur l'année? La crainte de Dieu, vous savez, c'est pas trembler devant Dieu, en avoir peur, une peur paralysante. Mais le psalmiste, il dit « Heureux l'homme qui craint l'Éternel », c'est parce que derrière cette crainte, il y a un respect pour la personne et le nom de Dieu. Et le psalmiste, quand il dit « Celui qui est heureux, c'est celui qui craint Dieu », parce que la crainte qu'il a, au fond, c'est celle de pécher contre Dieu, ou de voir sa relation, son intimité avec Dieu brisée, cassée. Il craint parce qu'il prend conscience que Dieu est un Dieu qui est bon, un Dieu qui est saint, un Dieu qui est juste, un Dieu qui est amour. Il ne craint pas Dieu seulement parce qu'il pourrait punir, mais il le craint parce qu'il sait que Dieu est juste et que Dieu est saint et qu'il ne tolère pas le péché dans sa vie, dans notre vie. Et que si lui-même venait à dévier quant à cette réalité de sainteté, il sait alors qu'il déshonore le nom de Dieu. C'est David lui-même convaincu de péché, ou même d'autres diront « J'ai péché contre toi », donc contre Dieu. C'est la première personne qui est touchée lorsque nous péchons. Mais l'homme qui craint Dieu va avoir un tel respect pour la personne de Dieu qu'il va, comme Paul le dira, « J'ai combattu le bon combat, j'ai combattu de toutes mes forces, eh bien pour ne pas pécher, pour ne pas déshonorer le nom de Dieu. » Ainsi, cet homme qui craint, il a cette crainte de pécher contre Dieu ou de détruire sa relation d'intimité avec lui. Parce qu'il sait que si Dieu se retire de sa vie, eh bien, il ne reste plus rien. Il n'est plus rien. Ensuite, il y a un autre aspect dans ce psaume que on ne peut pas voir dans nos versions françaises, mais dans,
dans l'original hébreu, eh bien, chaque verset est composé de deux phrases. Et chaque premier mot de ces phrases commence par la lettre de l'alphabet hébraïque, c'est-à-dire que le premier mot de la première phrase, c'est la première lettre de l'alphabet. Le deuxième mot de la deuxième phrase, c'est la deuxième lettre de l'alphabet, et ainsi de suite. Pourquoi je donne ce détail ? Parce que cela indique que l'homme qui craint Dieu, il va s'appliquer dans sa vie, eh bien, à exécuter toute la parole de Dieu de A à Z. Voilà pourquoi il y a justement dans ce psaume ce détail qui n'est pas anodin. Mais lorsqu'on plonge vraiment nos regards dans ce psaume, nous voyons que le psalmiste nous entraîne dans un sérieux, dans une responsabilité d'être dans la crainte de Dieu. D'ailleurs, il dira, c'est un homme qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Donc nous voyons un homme qui tend à exécuter, à accomplir toute la parole de Dieu. Et l'homme qui craint, eh bien, c'est un homme qui fait tout son possible pour plaire au Seigneur. Il y a un homme dans l'Écriture qui avait reçu une grande sagesse et qui en même temps a tout goûté dans la vie. Il a tout expérimenté. C'est l'Ecclésiaste. Malgré sa grande sagesse, sa grande richesse, ses grandes expériences, c'est lui-même qui dira « vanité des vanités ». Tout est vanité, c'est quand même étrange. Et il terminera son livre de l'Ecclésiaste au chapitre 12, verset 15, en ces termes. Écoutons la fin du discours. « Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. » Nous voyons donc que cet homme qui a vécu sa vie dans tous les domaines, sa conclusion en fin de vie finalement, tout ce qu'il a pu connaître, tout ce qu'il pouvait avoir, n'est rien. Mais pour lui, l'importance, eh bien, c'était craindre Dieu et d'observer sa parole. En effet, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ? Que servirait-il à un homme d'être un théologien renommé, mais qui n'a pas la crainte de Dieu ? Et cet homme savait de quoi il parlait. Également, ce psaume tourne entre deux pensées. La première, c'est le bonheur tranquille du juste parce qu'il met sa confiance dans sa parole, dans la personne de Dieu, mais aussi qu'il a cette crainte. Et la deuxième pensée, c'est la prospérité du juste. Non seulement une prospérité matérielle, mais une prospérité spirituelle. Je ne dis pas que Dieu n'est pas capable ou ne veut pas bénir sur le plan matériel. Mais ce n'est pas son objectif, ce n'est pas la priorité. Alors soyons vigilants, parce qu'il y a certains, comme on appelle l'évangile de prospérité, qui vous disent, si vous faites, si vous donnez, Dieu vous donnera. Il vous donnera au centuple, parce que c'est écrit. Mais nulle part c'est écrit dans ce sens-là. Oui, Dieu peut bénir matériellement. Oui, Dieu peut bénir financièrement. Mais notre priorité, c'est les richesses spirituelles, les richesses qui sont dans les lieux célestes. Paul dira aux Éphésiens que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions qui sont dans les lieux célestes. Et ces bénédictions, il faut aller les chercher dans les lieux célestes. Le Seigneur ne donne pas sur la base du mérite, ni sur la base des œuvres. On ne fait pas pour avoir, mais on place toute notre confiance dans la personne du Seigneur. Pour cela, il faudrait lire des textes comme 1 Timothée, chapitre 6, verset 8, Matthieu 6, verset 25, et 1 Pierre, chapitre 5, et verset 7. Donc, au travers de ce mot « Alléluia » ou « Louez Dieu », eh bien, cet homme exprime tout son cœur, une sincérité, tout son ressenti à l'égard du Seigneur pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est capable de faire. La priorité, ce n'est pas encore de savoir ce que Dieu fera demain. L'important, c'est d'être dans sa présence aujourd'hui. Le présent
déterminera mon lendemain. On a ce cantique, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Mes lendemains sont entre ses mains. Jésus dira bien, eh bien ne vous inquiétez pas du lendemain, chaque jour suffit sa peine. L'importance, c'est aujourd'hui. Si je me soucie déjà de demain, j'ose imaginer ce que c'est qu'aujourd'hui. Ça doit être pire. Mais apprenons à nous décharger aujourd'hui, eh bien, au pied du Maître. Alors, il y a le deuxième mot, c'est le mot « heureux ». Ce mot peut être traduit par « en marche ». D'ailleurs, la version Chouraki, il le traduit bien, c'est « en marche ». En effet, celui qui a cette crainte de Dieu n'est pas un homme, n'est pas une femme qui fait du surplace. Mais c'est un homme, une femme qui est en marche, qui évolue, qui marche de progrès en progrès, dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de sa parole, mais aussi dans la croissance spirituelle. Il est continuellement en mouvement. Ce n'est pas un homme, une femme qui tourne et qui tourne, non, mais qui avance, pas après pas. Ce psaume donc nous révèle toutes les bénédictions qui sont accordées à tous ceux qui sont justes et qui craignent Dieu, qui reconnaissent son autorité et qui se soumettent à son autorité. Concernant ce point, à un moment donné, le Seigneur Jésus dira « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur ?» Pourquoi m'appelez-vous Seigneur ? Et ne faites-vous pas ce que je vous dis. Voyez-vous, le mot « Alléluia », on peut l'employer à tout bout de champ. On peut parler de crainte. Mais ce qui intéresse le Seigneur, c'est « Est-ce que maintenant, on est prêt à entrer dans la soumission et dans son autorité ?» Reconnaître son autorité, accepter son autorité, se soumettre et agir sous son autorité, mais aussi de vivre sous l'autorité de sa parole. Parce que celui qui craint, qui avance de progrès en progrès, il sait que le joug du Seigneur, c'est-à-dire son autorité, eh bien, il est doux et que ses commandements ne sont pas pénibles. Et quand on réalise ce que le Seigneur nous dit, justement, « Prenez sur vous mon joug et mon autorité », et que ses commandements ne sont pas pénibles, alors on peut vraiment saisir sa parole et nous mettre sous son autorité. Parce que le but du Seigneur n'est pas de nous écraser, mais c'est toujours de nous relever, nous laisser conduire par son autorité, nous laisser conduire par sa parole sera toujours bénéfique pour nous, mais jamais l'inverse. D'où cette importance dans l'Écriture. Et Dieu, parfois, est sévère quand le peuple, l'histoire d'Israël d'ailleurs le montre, quand il dévie quant à sa parole. Dieu est obligé d'intervenir et de mettre en discipline son peuple, dans le but non de le détruire, mais de le ramener sous son autorité. Parce que seule sa parole est capable de nous soutenir, de nous guérir et de nous affranchir. Jésus lui-même dira, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Dévier quant à la saine doctrine, c'est dévier donc quant à la vérité, et de ne plus connaître, eh bien d'être affranchi. Au contraire, nous allons aller sous un joug pesant, et parce qu'il va y avoir un vide, ce vide, nous allons chercher, eh bien à le remplacer, par des traditions, par exemple. Parce que le cœur de l'homme n'est pas fait pour être vide. Mais Dieu a rempli notre cœur de la pensée de l'éternité. Notre cœur est comme un trône, c'est le trône où Jésus veut siéger dans notre vie. Comme roi, comme maître. Et si j'accepte celui qui est et qui est venu comme parole faite chair et qui est retourné dans la gloire, eh bien, il désire que là où il est assis dans notre cœur, soit aussi en premier sa parole, avec autorité. Alors, qu'est-ce qu'un juste ? Est-ce que c'est un homme, une femme, sans défaut ? Un homme, une femme qui est arrivé à un tel niveau, qui n'est plus capable de pécher, qui est arrivé vraiment au summum de tout, de toutes les révélations ?
D'un claquement de doigts, il dit à Dieu, et Dieu, hop, lui apparaît. Est-ce que c'est cela juste? Je ne crois pas. Nous sommes, premièrement, oui, justifiés en Jésus-Christ. Nous étions injustes, nous étions des pécheurs. Nous étions et nous vivions dans les ténèbres. La Bible nous dit que sur terre, il n'y a pas un seul juste. Lorsque le Seigneur nous a convaincus par son esprit de péché, lorsque nous nous sommes laissés convaincre, nous nous sommes repentis, convertis, et nous nous sommes détournés de nos péchés pour nous tourner vers le Dieu vivant et vrai. Et de là, Dieu nous a purifiés de nos péchés. Il nous a justifiés. Mais remarquez bien, être justifié, et je ne veux pas contredire ce que dit la Bible, mais comprenez bien ce que je dis. Être justifié ne voudra pas dire que nous sommes justes par excellence. Jacques, quand il parle de la prière, il dit « la prière du juste est d'une grande efficacité ». Mais la prière efficace est celle du juste, mais pas forcément celle du justifié. Parce que nous avons besoin d'entrer dans cette dimension d'une marche de la sanctification. Chaque jour, le Seigneur veut nous sanctifier. Paul dira « achevez votre sanctification ». Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas terminée. Et l'œuvre de sanctification, j'ai ma part de responsabilité. Je dois œuvrer à cela. Mais aussi Dieu œuvre, il m'aide à entrer davantage dans la sainteté. Et chaque jour qui passe, c'est un pas, c'est une chance aussi pour nous d'entrer davantage dans la sainteté. Et au fur et à mesure, oui, on va vers la perfection, on tend vers la perfection. David, pourtant, était appelé un homme selon le cœur de Dieu. Mais quand on fait son histoire, est-ce qu'il était parfait? Était-il sans reproche? On connaît très bien ce qu'il a fait dans sa vie. Et les deux choses qu'on retient surtout dans sa vie, c'est l'adultère et le meurtre. Et pourtant, c'est un homme selon le cœur de Dieu. On ne peut pas exclure ce témoignage. Ce n'est pas le témoignage d'un homme, c'est le témoignage de Dieu lui-même. Dieu savait ce qu'il disait, l'homme selon le cœur de Dieu, en montrant David. Alors c'est quoi? C'est qui? L'homme selon le cœur de Dieu ou la femme selon le cœur de Dieu, c'est un homme justement qui reconnaît ses imperfections. C'est un homme, lorsqu'il pêche, il reconnaît son péché, il se repent et il abandonne. Ce n'est pas un homme, une femme qui cache ses transgressions. Parce que la Bible nous dit que celui qui cache ses transgressions, il ne prospère pas. Et dans la vie de David, tant qu'il cachait son péché d'adultère comme de meurtre, eh bien, intérieurement, il était comme ses os se consumaient. Il était tiraillé. Dieu ne lui laissait aucun répit jusqu'à ce qu'il se repente, qu'il reconnaisse son péché. Il était malheureux. Il a fallu pour cela, eh bien, qu'un homme vienne dénoncer son péché. Et tant que David retenait cela, il était comme consumé par un feu intérieurement. Mais une fois qu'il a avoué sa transgression, qu'il a abandonné, il a trouvé donc une délivrance. Je crois que Jean, dans sa première épître, au chapitre 2, verset 1er, il décrit justement cet homme selon le cœur de Dieu. Lorsqu'il dit « Mes enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez plus. Mais si quelqu'un a péché, nous avons le Messie Jésus le juste qui plaide notre cause auprès du Père. » Dans ce texte, Jean n'est pas en train de dire « ça y est, vous êtes protégés eh bien, du péché parce que vous vous êtes convertis, vous êtes remplis du Saint-Esprit, ainsi Dieu vous met dans une boîte hermétique et vous êtes gardés. » Vous savez, Adam et Ève, on ne peut pas dire que c'est l'influence du monde qui les a amenés à pécher. Sommes-nous plus grands qu'eux? Je ne le crois pas. Mais Jean est en train de dire, d'abord une exhortation, je vous écris, afin que vous ne péchiez plus. Qui montre maintenant qu'il y a une vigilance de notre part. S'il l'écrit, c'est parce qu'il y a possibilité
de péché, même tout en étant converti. D'ailleurs, il le dit, mais si quelqu'un a péché, donc il n'exclut pas cette réalité. Il dira lui-même, si quelqu'un dit qu'il est sans péché, c'est un menteur. Ne croyons pas que nous sommes arrivés, il y a encore du chemin. Et si nous avons péché, il y a cette assurance que dans le ciel, nous avons un avocat, Jésus, qui intercède auprès du Père pour que nous puissions recevoir le pardon de notre péché, d'être lavés, purifiés de notre péché. Mais dans quelles conditions ? Que le juste reconnaisse, avoue et abandonne son péché. Il suffit pas de dire « oui, c'est vrai, j'ai péché » et de nous limiter à cela. Parce que s'il n'y a pas une confession, si je ne reconnais pas mon péché, que je l'abandonne, celui qui intercède en notre faveur ne pourra rien faire. Il a besoin d'entendre notre confession. Il veut voir que nous avions véritablement abandonné notre péché. Et alors, à ce moment-là, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Donc c'est une chose à ne pas prendre à la légère. Ainsi, l'homme qui est justifié, qui craint l'Éternel et qui prend plaisir à sa parole, il peut entrer dans cette béatitude, heureux. Il y a tout un développement qui va se faire dans sa vie. Il va progresser. Le verset 1 est véritablement la base du disciple qui applique la parole dans sa vie de tous les jours. Et puis, du fait que cet homme ne prend pas le nom de Dieu en vain, qu'il a la crainte de Dieu, en découle donc une bénédiction. Une bénédiction familiale. Verset 2. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Voilà l'héritage de cet homme que Dieu lui donne, que Dieu donne au couple qu'il veut bénir. Mais aussi que cette famille soit en bénédiction dans son entourage, qu'il soit en bénédiction dans le lieu là où il habite, qu'il soit en bénédiction pour le pays. Ce n'est pas quelque chose de restreint, mais quand Dieu bénit, c'est comme il est dit, le psalmiste, que la bénédiction qui vient d'en haut, l'huile qui tombe du ciel, qui descend sur la barbe d'Aaron et qui descend jusqu'en bas de sa robe, c'est quelque chose d'abondant, ça découle. On est d'abord rempli et ensuite on déborde, afin que ceux qui nous sont proches, et voire même au-delà, reçoivent la bénédiction que nous recevons de Dieu. Lorsqu'il y a le respect du nom de Dieu, lorsqu'il y a la crainte de Dieu, dans une famille, dans un couple chrétien, alors il y a la bénédiction. Il faut aussi prendre conscience de cette réalité. Comprenons également que les enfants sont un héritage que Dieu nous donne, que Dieu nous confie. Et cela donc amène le couple disciple de Jésus à se trouver devant ses responsabilités. Je ne pense pas que c'est à l'Église de convertir nos enfants, c'est tout de même d'abord les parents, parce qu'ils vivent avec nous tous les jours de la semaine, tous les jours du mois et de l'année. Nous avons donc notre responsabilité de la manière dont nous vivons et que nous parlons à nos enfants. Nos enfants auraient peut-être des choses à dire. Est-ce que nous vivons véritablement l'Évangile dans notre maison ? En tant que parents, nous avons cette lourde responsabilité. En tant que parents, vous savez, nos enfants ne sont pas aveugles. Ils sont capables aussi de juger, de savoir si ce que nous disons, ce que nous faisons, si nous sommes cohérents avec ce que nous enseignons, avec ce que nous sommes. Ah, derrière la chair ou dans l'église, on peut paraître, mais est-ce la réalité ? Il y a du travail. Il n'est jamais trop tard pour rectifier,
pour redresser. Le Seigneur fera toujours sa part dans nos difficultés en tant que parents. Mais il interviendra également dans la condition que nous assumions nos propres responsabilités. C'est une collaboration que nous faisons, que nous avons avec le Seigneur. Oui, ce n'est pas toujours évident, mais c'est possible. Vivre en Christ, ce n'est pas seulement se complaire dans le salut. Je suis sauvé, alléluia, tant mieux. Mon nom est inscrit dans le livre de vie, maintenant moi je m'assois et j'attends le retour de Jésus. Mais vivre en Christ va impliquer, eh bien aussi, des responsabilités devant mes enfants, devant nos enfants. Des responsabilités devant nos voisins, responsabilités devant nos collègues de travail, responsabilités envers la société. C'est une vie d'être dans le Seigneur. Ce n'est pas simplement être sauvé. Maintenant, ce que le Seigneur désire, c'est que nous marchions de progrès en progrès. Alors, il existe des textes qui nous encouragent à avoir un comportement et une vie qui puissent, eh bien, marquer la vie de nos enfants, de nos voisins, de nos collègues de travail, marquer la société, comme Proverbe chapitre 11, verset 21, Proverbe 14, verset 26, Proverbe 20 et verset 7, ce ne sont que quelques textes, mais nous voyons qu'il y a des encouragements pour nous à prendre cela avec sérieux et de nous remettre en marche dans la crainte de Dieu et de ne plus prendre le nom de Dieu en vain, mais d'être des disciples authentiques. Alors le verset 3, il est question de bénédictions matérielles. Verset 3, la richesse et les biens sont dans sa maison et sa justice dure à jamais. Tout d'abord, je souligne que la prospérité matérielle n'est pas une doctrine. Même si l'Écriture en parle, ce n'est pas le but en soi. Mais il y a tout de même une réalité, puisque moi c'est ce que je lis dans ce verset, la richesse et les biens sont dans sa maison. Cependant, elle peut être aussi le lot pour le juste. Je n'exclus pas que Dieu, dans ce domaine, il peut bénir. Même au-delà de toute espérance, ça nous le comprenons bien, c'est Dieu qui bénit, Dieu nous connaît. Mais j'ai remarqué avec le temps que le Seigneur est quand même un Dieu qui sait et qui est économe. Il ne lance pas ses bénédictions à tort et à travers. Il nous connaît. Il sait ce que nous sommes capables de gérer et il n'ira jamais au-delà. D'ailleurs, l'Écriture nous dit que si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Il n'y a pas de contradiction. Oui, on peut être dans l'abondance, comme on peut être dans la disette, mais il y a au milieu quand même un équilibre. Si Dieu est le centre de notre vie, l'un ou l'autre, nous serons dans le contentement. Et remarquez que les richesses et les biens, ce n'est pas cela qui demeure éternel. Le psalmiste dit bien « et sa justice dure à jamais ». C'est pourquoi il faut mieux rechercher la justice de Dieu que les biens matériels. Jésus dira dans le sermon de la montagne « Cherchez premièrement le royaume et la justice. » Le royaume et la justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pourquoi le Seigneur donne-t-il ce détail? Parce qu'avant, il exhorte ses disciples à ne pas s'inquiéter. De quoi vous serez vêtus demain? Ou qu'est-ce que vous allez manger demain? Il dit, ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas comme les non-croyants qui s'inquiètent justement de ces choses. Mais vous, en tant que disciples, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Paul, qui connaissait le Seigneur en raison de sa relation qu'il avait, il était capable de dire aux Éphésiens, il ne disait pas « et notre Dieu », mais disait « et mon Dieu pourvoira à vos besoins ».
Il le savait parce qu'il connaissait. Paul était un homme qui ne s'inquiétait pas de ces choses. D'ailleurs, Paul était un homme qui a passé de l'abondance à la disette. Il a connu la famine, il a connu la nudité, il a connu le froid. Pourtant, c'était l'un des plus grands apôtres que le Seigneur ait eu sur cette terre. Mais il est passé par tout. Mais par tout cela, il va employer trois verbes qui vont montrer justement qu'il était cet homme heureux. Un homme qui avait le respect du nom de Dieu et la crainte de Dieu. Malgré les souffrances qu'il a pu connaître, comme il a connu des joies, dans Philippiens au chapitre 4, dans toutes ces choses, il dira « je sais », ou du moins « j'ai appris d'abord ». Il a su en tenir des leçons dans tout ce qu'il a vécu, donc il a appris. Parce qu'il a appris, il dira « je sais ». Et ensuite, il dira « je puis tout ». Mais il peut tout par celui qui me fortifie. Cet homme donc est passé, on dirait, du coq à l'âne, de l'abondance à la disette. Imaginez que vous gagnez 100 millions d'euros et qu'un jour après, vous perdez tout. Ça fait quand même un choc, hein. Vous rouliez en Jaguar, voilà, vous êtes en vélo maintenant. Vous mangez du caviar, ben vous en êtes aux croquettes de poisson. Mais c'est un choc. Mais Paul a accepté cette vie parce qu'il était dans l'abondance de Dieu, dans la présence de Dieu. D'ailleurs, dans Proverbes 30 et verset 9, je t'ai demandé deux choses, ne me les refuse pas. Aussi longtemps que je vivrai, garde la fausseté et la futilité loin de moi, et ne me donne ni la pauvreté ni la richesse. Là, on est loin d'un évangile de prospérité parce qu'il ne veut pas être pauvre, mais il ne veut pas être riche. Oui, pourvois juste à la nourriture dont j'ai besoin aujourd'hui. Car si j'ai trop, je pourrais te renier et dire, qui est l'Éternel? Et si je suis pauvre, je pourrais voler et ainsi déshonorer le nom de mon Dieu. Voilà un homme qui connaissait le Seigneur. Un homme qui n'était pas envieux, il voulait juste le nécessaire. Et remarquez bien, le nécessaire pour son aujourd'hui. Il ne s'inquiétait pas pour demain. Mais Seigneur, je te demande aujourd'hui. Et Paul est entré dans ce domaine quand il dit « j'ai appris, je sais, je peux ». Il y a une autre réalité, c'est dans Éphésiens au chapitre 1er, verset 3. Paul dira « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Nous remarquons ici qu'il y a l'expression « le Père » et aussi « le Seigneur ». L'Écriture est bénédiction. Si nous voulons justement être au bénéfice de ces bénédictions, Paul est en train de prendre ici une réalité. Il nous parle du Père et nous parle du Seigneur. Le prophète Malachi, au chapitre 1er, verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs. Remarquez bien, il s'adresse aux sacrificateurs. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes concernés. Qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Et si nous retrouvons la notion de père, mais aussi de maître, de seigneur. Et le Seigneur dit, mais alors si je suis votre père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis votre maître, également, où est cet honneur? On retrouve cette même idée dans notre psaume 112, la crainte de Dieu et de ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Cette vérité est toujours pour aujourd'hui. Ce n'est pas parce que Malachi ou le psalmiste l'a écrit, c'est des textes qui sont vieux, poussiéreux, non. Elles sont toujours d'actualité.
Alors, pour avoir ces bénédictions spirituelles, il nous faut aussi réaliser que Dieu est notre Père céleste et que Jésus est notre Seigneur et qu'il nous faut entrer donc dans ce respect et de la crainte. La prospérité, bien sûr, Dieu peut nous la donner, mais il sait ce qu'il fait et il sait à qui il donne. Parce que la prospérité peut avoir aussi ses dangers. Nous l'avons vu dans Proverbe 30, cet homme connaît les dangers. Si j'ai pas assez, je pourrais voler. Si j'ai trop, je pourrais te renier. Comme Ézéchiel, chapitre 16, versets 49 à 50. Luc 6, versets 24 à 25. Apocalypse 3, verset 17. Et le psaume 37, versets 35 à 36. Nous voyons ici de la prospérité. Mais dans ces exemples, ils sont tombés dans le piège d'un reniement ou de n'importe quoi. Ils n'ont pas su, eh bien, venir ou revenir au Seigneur, tellement ils étaient gavés, qu'ils étaient riches. Mais aussi, la prospérité peut être le partage du juste, qui est consciencieux, qui sait gérer, comme dans 2 Chroniques, chapitre 26, verset 5, 2 Chroniques, chapitre 31 et 21. Ici, nous voyons Dieu qui pourvoit, qui veut faire prospérer son serviteur. Donc Dieu sait ce qu'il fait, il nous connaît. Bien sûr, il n'y a pas question d'être jaloux parce que mon frère ou ma sœur a été béni. Au contraire, réjouissons-nous de ce que Dieu est intervenu. Parce que Dieu sait ce qu'il fait et à qui il donne. Mais la prospérité peut être aussi dans un autre domaine. Dans la troisième épître de Jean au chapitre 2, verset 2, Jean s'adresse à un ancien, Gaius, et lui dira, eh bien, son souhait c'est qu'il prospère à tous égards. Alors, qu'avait-il à l'esprit ? Peut-être prospérer dans tous les domaines, matériels, financiers, mais aussi spirituels, puisqu'il dit à tous égards. Mais ici, le mot « prospérité » a surtout le sens de faire un bon voyage ou être guidé sur le chemin sans encombre. Finalement, la pensée première de la prospérité, voyez-vous, c'est qu'en tant que pèlerin ici-bas, parce que nous ne faisons que passer, comme il est dit d'Abraham, c'était un pèlerin, il ne faisait que passer, eh bien, nous devons faire notre voyage dans des bonnes conditions. Le faire dans la présence du Seigneur, que Dieu soit avec nous et nous avec lui. Et cette prospérité, c'est être guidé sur le chemin sans encombre. Nous avons cette merveilleuse promesse de Jésus, avant de retourner dans la gloire, il dira à ses disciples, voici, je suis avec vous tous les jours de la vie. Tous les jours. Chaque jour qui vient, Dieu est avec toi. Ce matin, quand tu as ouvert une paupière, pour les plus difficiles, ou les deux paupières, le Seigneur est avec toi. Demain, il sera avec toi. Le psalmiste dira, voici, le Seigneur est celui qui te conduit, qui te guide, qui t'enseigne, qui t'instruit. Et il veut le faire tous les jours. Voilà la prospérité dont nous avons besoin. De faire un bon voyage ici-bas et d'être guidé par le Seigneur. Alors soyons encouragés à marcher dans sa justice, en sachant que sa main, que le Seigneur lui-même nous conduit et que son regard est sur nous et qu'il désire accomplir ses promesses dans nos vies. Mais deux choses à retenir. Ne prenons pas le nom de Dieu en vain. Ayons une crainte respectueuse de sa personne. Et je voudrais terminer par deux versets. Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront aussi données. Et Matthieu 28, verset 20. Et souvenez-vous, je serai avec vous pour toujours, oui, jusqu'à la fin du monde. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide dans le domaine de la crainte, de ce respect envers son nom. Prions quelques instants. Alléluia.
béni soit ton nom. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es notre Dieu, tu es notre bon Père céleste. Seigneur, ta parole, elle est éternelle. Tu l'as inspirée à des hommes. Ces hommes qui ont vécu, eh bien des difficultés, comme nous-mêmes aujourd'hui. Mais tu as su montrer ta fidélité, ta bonté qui se renouvelle chaque matin. Seigneur, te prions pour qu'aujourd'hui tu puisses, comme le dit l'Écriture, nous enseigner la crainte de Dieu. Seigneur, merci d'accompagner mes frères et sœurs, qu'aujourd'hui, que cette semaine soit un temps de renouvellement dans les domaines de Dieu, de ta parole, d'ouvrir les Écritures. Imprègne, Seigneur, ces quelques mots dans nos cœurs, dans nos consciences. Te demandons grâce, parce qu'il est vrai que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Que tu deviennes ou que tu redeviennes le centre de notre vie, le Seigneur et le Maître. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui est capable de nous affranchir. Par ta parole, tu nous sanctifies. Par ta parole, tu révèles ce qu'il y a au fond de notre cœur. Mais aussi par ta parole, tu nous montres le fond de ton cœur. Seigneur, nous te bénissons et nous te glorifions dans le nom de Jésus. Amen. Amen.